Je me demande ce qu'il y a là-dessus. C'est pas une grotte, c'est une ruine. Une interface holographique. Il n'y a pas de batterie dans ces appareils. Il faut que je trouve des batteries pour les faire fonctionner. Voilà, ça rentre. Je dois encore en passer une. Et de deux. Je crois que les anciens utilisaient ces nombres pour indiquer le temps. Il y a peut-être des indices dans les environs. Quelque chose pour me montrer comment ça marche. On dirait qu'il y a quatre positions différentes. Peut-être que si je les mets dans la bonne position... Et voilà, je devrais pouvoir entrer. Ces verrous semblent bloquer l'armure. Il faut simplement que je trouve le mécanisme qui les alimente. J'ai qu'à placer correctement ces batteries et ça devrait être bon. Plus que deux. Plus qu'une. Ces chiffres, ils doivent être liés au segment d'un cercle. Ces ruines. Ça fait des années que j'ai pas mis les pieds ici. Je me demande ce que je vais trouver. Cette zone là-bas. Je me demande si je peux y accéder maintenant que j'ai grandi.
Maintenant, j'ai assez de batterie pour pouvoir accéder à la vieille armure. Et voilà, c'était la dernière. Ça marche. Maintenant, il faut que je place correctement les cadrans. Ça doit former un code. Et voilà. Bon, voyons un peu cette armure. Bon, voyons ce que je peux faire avec ça. J'en aurais sûrement besoin. Passe ton chemin. Tu n'as rien à faire ici.
Aloy, qu'est-ce qui t'amène à Méridian ? Une menace. L'éclipse s'apprête à attaquer, par l'ouest. Avec une armée d'anciennes machines de guerre. Mais ce n'est même pas le pire. Ils ont un esprit avec eux. Dieu, démon, machine, peu importe ce que c'est. Il s'appelle Hadès. Et il n'a rien à faire de Méridian. Il veut la flèche. Et s'il l'atteint, il enverra un appel, qui réveillera d'autres anciennes machines. Nos forces seront submergées. Et nous mourrons. On doit faire quelque chose. J'essaie de comprendre, mais mon devoir est de protéger Méridian. Méridian n'est pas la cible, Avad. Tu dois défendre la flèche. Et l'avant-garde, votre splendeur ? Oui. Envoyez-les à la flèche. Eren connaît Aloy, il ne posera pas de questions. Et envoyer des gardes de la ville sur la crête occidentale. De là, ils pourront protéger Méridian. Et le bûcher, juste sous la flèche. Aloy, je te présente mes excuses pour notre dernière rencontre. Après tout ce qui s'était passé avec Ersa, j'étais troublé. Si nous devons combattre côte à côte et peut-être mourir, je souhaite m'engager dans la bataille avec ton pardon. Alors tu l'as. Mais ne t'avise pas de me confondre à nouveau avec elle. Même un roi apprend de ses erreurs. Bon, bien, je suis content que ce soit derrière nous. Bon. Il faudra du temps pour préparer nos défenses. Allez, dis-moi ce que tu sais de nos ennemis. Je t'écoute. Malheureusement, je ne sais pas tout, mais je te dirai ce que je peux. Avec discrétion. Si les citoyens paniquent, ce sera encore pire. Et tenez-moi au courant de chaque nouvelle arrivée. Ah, Aloy. Les défenses se préparent, sur la crête et à la flèche. Nous avons alerté les quatre coins de l'Hélium. Nos alliés ont offert leur aide, certains pour Méridian, d'autres pour les éclats. Mais beaucoup sont là pour toi, Aloy. Pour moi ? Ne te sous-estime pas. La crête sera la première ligne. C'est là que sont postés les gardes ? Oui, assistés par les renforts dont je te parlais plus tôt. Les canons au céram qui ont fait trembler les murs de Méridian à la Libération, nous défendrons. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Et la flèche ? Eren et l'avant-garde y sont ? En effet. En train d'entrechoquer leurs armures et de peaufiner leurs cris de guerre, je suppose. Un certain nombre de Nora ont aussi rejoint la flèche. Ils ont refusé notre offre d'une audience royale. Tu pourrais peut-être les convaincre. D'accord. Je suppose qu'il n'y a plus qu'à attendre l'attaque. En effet. Ça ne me plaît pas vraiment, mais nos guetteurs au signe du couchant ont signalé que tout était calme à l'ouest. Alors, si tu as des choses à faire ailleurs, c'est le moment d'en profiter. Et sinon, j'ai demandé à ce que le logement d'Olin Delverson te soit réservé. Tu peux y dormir. Ou essayer. J'aimerais discuter avec toi de beauté et d'élégance.
l'armée ne peut pas rentrer dans la ville, hein? Il s'apprête à attaquer. Et vous, vous allez rester là sans rien faire? On a perdu une dizaine de patrouilles derrière. Les ordres sont clairs. C'est terminé. On sera prévu. Vous parlez d'ordre. Moi, je parle du roi Soleil. C'est à ça que servent les ordres. J'aurais trouvé ça ridicule si j'en avais pas été témoin. J'ai dû prendre le tour de garde de mon frère aujourd'hui. Il est encore parti compter fleurettes à cette noble. Abritez-vous, ne vous laissez pas piéger. Oh, Soleil, protège ta ville de l'armée qui l'assiège. Le logement d'Olin, il fait vide. Est-ce que je dors ou est-ce que j'ai encore des choses à faire? Comment pouvais-tu dormir, Elisabeth, avec cette pression sur tes épaules? Et toi, Rost, après avoir perdu ta famille? Silence? Tu es là? Pourquoi je demande conseil à un fantôme? Madame, il y a des signaux à l'ouest. Le roi Soleil Abad vous attend au Temple du Soleil.
serait-ce des feux de camp? Ceux des forces qui se préparent à entamer leur marche vers la ville? Ce n'est pas ce genre de fumée. Qu'est-ce que c'est? C'est la fin. Ou tout du moins son commencement. Mort dont tu as parlé. Au canon! Au canon! Maintenant! Par le soleil, faites ce qu'elle vous dit! On attend vos ordres! Attention! Préparez-vous à tirer! Est-ce que les canons vont suffire? On va pas tarder à le savoir. Envoyez vite des renforts. Aloy, non. On a besoin de ces canons. Mais tu vas te faire massacrer. Ça, je demande à voir. Toi, tu me larves. Pourquoi tu ne m'as pas affronté dans la fosse, alors? Pourquoi?
Une accalmie. Mais ça va repartir. Aloy ! Aloy ! Aloy ! Teb... Parle à toute mère, tu es en vie. J'ai bien cru que c'était la fin. Les autres,
Ils sont... Non, non. Blessés, mais en vie pour la plupart. Les machines ont tout mis à sac, mais elles se sont pas arrêtées. Elles sont parties vers la flèche tout en traînant leur triste trophée. Veille sur les autres, s'il te plaît. Il faut que j'y aille. Lance la transmission. Il a dû franchir les défenses. L'avant-garde des Rennes. Il faut que j'arrive là-haut. C'est à l'œil! Enfin, vous avez vu. On croyait que t'avais péri à la crête. Non, c'est elle qui m'est tombée dessus. Bon, on n'a pas de temps à perdre. Je dois affronter Hadès. Pas toute seule. Pas le choix. Je ne peux pas vous demander de venir. On allait monter de toute façon, hein? Bien sûr. Le démon de métal doit mourir. Je ferais mieux de faire des réserves. Je n'aurais plus
saisis l'occasion.
menace système imminente. Système de sécurité en place. Pour l'activer, précisez nom et grade. Elisabeth Sobek. Grade Alpha. Système de sécurité activé. Protocole d'extinction en marche. Oui, vraiment désolée, Gaïa. Qu'est-ce que je disais ? Vous racontiez une histoire. Ah oui, alors... comme je disais... C'était un kit d'électronique pour enfants, mais je l'avais relié à une batterie de voiture et à un système photovoltaïque. Et résultat, le gazon a pris feu. Mais pas que le gazon, un grand pin aussi, qui était à côté. Il devait avoir dans les... 100 ans, au moins. Question. Quel âge aviez-vous ? 6 ans. Ma mère était à la maison, heureusement. Elle a tout de suite appelé les pompiers. Et après, elle m'a emmenée dans le jardin pour me montrer tous les oisillons morts, parce qu'il y avait plusieurs nids dans ce grand pin. Question. Qu'avez-vous ressenti ? Je sais pas trop. Mais je me souviens avoir dit que je m'en fichais. Quand ma mère a entendu ça, je me souviens qu'elle a pris mon visage dans ses mains et qu'elle a parlé. Question. Qu'a-t-elle dit ? Elle a dit que c'était très important. Elle a dit... Elisabeth, à quoi bon être intelligente si tu ne te sers pas de ton intelligence pour rendre le monde meilleur ? Tu dois utiliser la tienne pour faire avancer le monde. Pour la vie, pas pour la mort. Vous parlez très souvent de votre mère, mais vous n'avez pas d'enfant. Je n'ai jamais eu le temps. C'est sûrement mieux comme ça. Si vous aviez eu un enfant, Elisabeth, comment auriez-vous voulu qu'il soit ou qu'elle soit ? Eh bien, j'aurais sûrement aimé qu'elle soit... curieuse. Et déterminée, fonceuse même. Mais avec suffisamment de compassion,
pour vouloir aider les autres. Juste un petit peu. Bonjour, mon vieil ami. Tu te souviens de moi? On a encore tellement de choses à se dire, toi et moi. Je veux tout savoir. Qui sont tes maîtres, pour commencer? Ceux qui ont envoyé le signal qui t'a réveillé? Le savoir demande récompense, tu ne crois pas? Allez, commençons.